Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la quatrième et avant-dernière sortie fenêtre culturelle pour semaine avant nous aller plus loin. Quittez-nous dire quelques points qui peuvent faire essentiel jeudi à dans le journal. Bictionnaire, c'est titre, nouveau album à BIC, ils ont dit fait à Paris pour publier dans fin année 2018 là. Album ça, qui a bien 14 morceaux de musique gravés sous lui, parmi eux, Petit Code à Cocorate, qui déjà en rotation sur réseaux sociaux et stations radio. Nouveau rendez-vous mercredi de la culture lente est déroulé dans l'image restaurant 10 octobre 2018 l'an côté yoté accueilli chercheur écrivain ak docteur Claudel Mezilas intellectuel ça était présent pour intervenir dans cadre d'une conférence qui était faite en baptême la condition des noirs en Amérique et ses impacts sur la migration haïtienne. 13e édition Festival International à Jazz là programmé sorti 19 pour arriver 26 janvier 2019 là sous initiative Pab Jazz Haïti. Selon responsable Pab Jazz Haïti, 40 groupes et artistes qui évoluent dans le pays à la diaspora a participé parmi eux BIC, Paul Bobon, Felicia et Acoustique. C'est pour ça et divers autres quoi qui parle fait essentiel jeudi à notre journal là, restez branchés. N'a tout après. Tout après pause là, merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a démarré avec journal là pour nous faut qu'on est. Hier mercredi à soirée plim pour là t'est déroulé tant coucha qu'à mercredi dans parc à midoré. Contrairement à soirée précédent yo, membre organisateur yo t'est ouvert micro by public là pour yo t'est performé dans cadre activité ça. Plusieurs jeunes avec personnages publics t'est répondre présent avec invitation. On a permis de suivre plus de détails sous soirée à collaborateur nous, Julie Gauthier et puis André Chéri. Si avec interprétation musique li qui titre Port-au-Prince, chanteur BIC a commencé soirée traditionnelle ça. Député commune Cité Soleil là, honorable Pierre Lemaire, qui te vini si porter activité ça, fait qu'on est, objectif li c'est intégrer jeune talent dans la commune yon activité ça. Li profite annoncer prestation plusieurs artistes dans Cité ya, dans le cadre d'activité ça mercredi prochain. Il est nous un groupe moun qui favorise jeune talent, qui fait promotion pour encourager, ça fait un plaisir. Et parce que c'est ça que fait toujours là, dans l'activité culturelle ça yo, et apprendre plus tout pour nous garder comment nous encadrer les jeunes talents nous dans la commune Cité Soleil yo. Parce que nous connaissons la commune bien plus jeune qui est bon en musique. Mercredi a fini et il est possible pour gagner deux artistes Cité Soleil qui sont dans le show avec grand public là pour faire connaissance avec eux. Et puis garder talent, garder les gens de Cité Soleil. Jeune Cité Soleil qui a un talent, j'aime toujours dire c'est la cité des talents. Moi-même, comme député, je suis là pour faire promotion pour eux, encourager eux, encadrer eux. Et puis faire mon talent pour venir sortir des ambassadeurs pour la commune. Après presque 2 mois depuis l'activité ça reprend, l'hypothèse de l'autre ambiance pour le public là, avec jeune capique volé dans le domaine musical. Chanteur BIC te parlé de satisfaction par rapport à l'activité ça. Nous avons fait un petit convivial entre les amis, parce que c'est ça l'idée soirée. Ce n'est pas un business qui a réglé, c'est un petit espace côté que pour nous venir, pour nous échanger, pour nous essayer d'oublier le stress, pour nous partager. Ouais. Donc, à soirée, nous n'avons pas une soirée formelle. N'importe qui veut monter ça dans la soirée, il monte là. Et donc, pour moi-même, c'est une satisfaction parce que et ça prouve que quelque part, il y a des gens qui sont attachés à la soirée. Et c'est une raison qui fait me comprendre que la soirée est une belle. Pour soirée ça, BIC a public la te fait un sel pour créer animation. Une initiative qui prend dans l'idée pour découvrir et puis présenter jeunes talents dans le pays ya, by fanatique soirée plim pour lui. Chanteur qui a une renommée internationale, BIC a annoncé publication un nouveau album qui titré Bictionnaire dans fin l'année. Sorti album en tournée ça, montré à clair que BIC qui a promis qu'il était fait fanatique pour sortir un nouveau album à chaque de l'année. Artiste la fait connaître, Kokorat et Capote Code, c'est deux parmi 14 morceaux qui a gagné sous album ça. Chanteur BIC, c'est dans le micro Julie Gauthier et André Chéri. Tout le monde connaît que chaque 2 ans, sur son album. Et dernier album, je suis sorti en 2016. Nous sommes en 2018. Évidemment, en fin d'année, prochain album, BIC à la sorti. Et Kokorat, c'est mon esprit, sing souvle. C'est une musique qui a figuré sur l'album, non? Même j'avais poté. L'album, non, il est Bictionnaire. B-I-C-S-Y-O-N-E, accent force, Bictionnaire. Là, il y a 12 titres plus 2 bien solides. Moi-même, moi fou et j'aime dans le dictionnaire. Moi, j'ai une définition de deux mots. Même en Haïti, comme si on a l'impression que l'autre définition pour moi, ça y est. Je suis un mec qui est un dictionnaire.
M'invite mon vin coup d'œil dans dictionnaire. Valcour Grégory qui gen artiste Li Charmon a présenté vidéoclip morceau musique groupe Breed Fait qui titré Tilamou Bam qui sorti semaine passée. Morceau ça groupe la traité yon sujet sous l'amour côté li montrer importance l'amour dans toute relation moun ak moun. Selon artiste la vidéo ça c'est fouillé en collaboration ak Okudan Entertainment. Travail tournage pour vidéo ça fait essentiellement dans ville Jacmel à Tigouave. N'a pas vite suivre yon extrait nan micro Cavalcourt ak Junior Avril. Ça même jodi a la c'est à propos de vidéo que Tilamou Bam nan que jodi a la nous pote nan kay la qui nan fenêtre culturelle. Musique là c'est love nous la gen net en dedans texte ça parce que l'on texte par exemple nous dit Tilamou Bam. Tilamou Bam c'est pas pour lever mes soufi, c'est apprendre respecter femme. OK, c'est ça n'a décortiqué en dedans musique ça. Tilamou Bam c'est gens madame moi traité la caille moi, c'est gens que famille m'a vivant dans foyer, mon foyer qui est normal, que m'pap désobéir madame moi m'pap désobéir tout. C'est ça que n'a parlé dans musique là et misère tout que on nèg avec on fi qu'on passe tout, c'est que c'est toute bagaille ça roule à travers de texte ça nous porter dans Tilamou Bam. Vidéo a shooté Jacmel et Tigouave aussi bananier. C'est que c'est là pour nous te ouais pour nous te vendre beauté pays a parce que charger bagaille qui belle en pays à côté tout et c'est là nous te obligé à tourner vidéo. C'est une vidéo tout qui très bientôt là qui passe sur Trust TV. Nous fait RFI ensemble avec lui et nous passons en pile caille tant que média on ka dit bon les sur toute plateforme yo et réseau yo c'est que au quand juste aller sur Charmon Breed et c'est Instagram pam OK et puis non 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 comme faire compte pam même parce que tellement gen moun ka pirater compte de temps en temps ou font compte regarde ou gen l'autre monde qui fait le tout ou ka aller sur Grégory Valcour. OK, sou tape Grégory Valcour ou ap joine sa compte Facebook moi. OK. Et puis ou ka aller tout sur compte Breed même spécialement c'est Breed. OK. Ou ap joine BREDH de vous taper BREDH ou ka pa joine Breed compte Breed ou ap joine sur réseau. Comment arriver les amis téléspectateurs pour aller observer deuxième pause on était branché n'a tourner tout de suite après pour nous tenons à propos là, merci parce qu'on toujours été branché télévision nationale d'Haïti. J'ai noté annoncé là dans un grand titio. Responsable Pap Jazz Haïti a organisé une conférence pour la presse jeudi 11 octobre là, dans le local Brasserie Quartier Latin pour parler sous diverses nouveautés Cap Gagné Anessa dans l'organisation 13e édition Festival International du Jazz de Port-au-Prince là, qui prévoit fête sorti 19 pour arriver 26 janvier 2019. Là. Pour 13e édition, plusieurs artistes locaux et non diaspora après répondre présent parmi eux BIC, Paul Bobron, Felicia Ross et Acoustique. Il y a environ 40 groupes qui sont plusieurs côtés dans le monde lent qui programme. Joël Widmayer, qui est directeur artistique à Pap Jazzla, Tenamiko Jasmine Fabiola Dumerville. En suivant. Nous avons un football, nous avons un kick-off party, ce que nous avons jamais habitué à faire, nous avons lancé l'année ça. Ça, c'est pour aussi encourager une nouvelle génération jeune pour participer plus à ce festival-là avec des artistes haïtiens. Nous avons un gros partenariat à faire avec Radio France, qui est très important pour nous, trois gros radios en France, qui ont un partenariat qui va couvrir toute l'Europe. C'est 350 millions d'auditeurs qui cap gain chance tant des festivals là tant des pas de festival là parce que il y a 7 journalistes qui ont entré c'est pour le festival éco-responsable c'est le terme qu'on utilise éco-responsable nous relais le Pap Jazz Vert donc ça l'a fait pour ça. Par exemple, nous essayons de faire moins sur quatre conférences de presse, nous pas même mettre nos papiers conférences de presse, nous faisons une feuille seulement, nous pas mettre dans un cartable pour nous utiliser moins de carton que possible, moins de papier que possible, parce que chaque papier qui est utilisé, c'est pied bois qui fait papier. Donc, plus vous utilisez papier, c'est plus pied bois qui est utilisé sur cette planète-là. Conférence, tout le monde a bien droit à lui, même journaliste qui doit le suivre. Et aussi, nous avons invité l'autre festival, le pays, pour participer à la conférence que monsieur va le faire. À chaque fois, vous achetez dans le festival-là, vous achetez un t-shirt, vous achetez un petit bracelet, il y a un petit sac. Un petit sac qui n'est pas recyclable, mais en plastique, mais au cabal de la maquette avec le cabal de mettre, le cabal de jeter de la vraie, toujours qu'il y ait un petit sac. Donc, c'est moins
moins papier plastique qu'à utiliser, moins sachet plastique qu'à utiliser dans fait, que moun ka utilisé comme bah, moyen pour qu'à utiliser. Donc de ce fait, si gen 5-6 festivals qu'a fait concernant le pays, si tout le monde commence à prendre habitude ça, il y a moins sachet plastique qu'à utiliser et qui va boucher tout égout dans la ville là, ce que nous connaissons qui mal ça fait payer, qui mal ça fait environnement. Donc puis festival là comme pendant toute semaine, c'est pas une plateforme qui va une plateforme de divulguer tout message qui est important pour la population qu'on est. Dans 15 à 20 000 personnes qui viennent à festival là, pour nous passer un message comme protéger la nature, comme pour qui les meilleurs gens capables de faire pour protéger l'environnement. Mercredi 10 octobre 2018, là, dans l'image, un restaurant traditionnel rencontre littéraire et culturelle qui est toujours faite en baptiste mercredi de la culture lente est déroulé. Pour numéro ça, tu as gagné une conférence avec chercheur et puis écrivain, Dr. Claudel Mesilas, qui t'a partagé l'idée en baptême, la condition des Noirs en Amérique et ses impacts sur la migration haïtienne. Dans l'intervention, le Dr. Claudel Mesilas t'a parlé si tout sous difficulté noyau a fait face dans pays yo immigré à cause yo représenter yon minorité sous plan démographique. Le extrait dans micro Michel-Ange Dalcé avec André Chéri. Les Haïtiens qui sont arrivés en Amérique latine, au Brésil, au Chili, eh bien, vont faire partie précisément d'un groupe minoritaire ethnique que sont les Noirs. Donc comment ils seront représentés culturellement, ethniquement en Amérique latine? Donc je vais laisser de côté et la question, les aspects politiques, la condition noire en Amérique latine renvoie d'abord au discours et aux représentations qu'on a des Noirs et d'autre part aux luttes que les Noirs vont mener pour pouvoir et se défendre dans le contexte national. Donc, et la condition noire en Amérique latine a deux moments que je vais développer. Le premier moment, c'est le moment de l'invisibilité. Comment les Noirs seront invisibilisés dans le dispositif politique. Le deuxième moment, c'est le moment de la visibilité, comment ils vont émerger dans l'espace politique. Donc cette présentation comprend trois parties. Dans la première partie, je vais parler du moment de l'invisibilité des Noirs en Amérique latine, c'est-à-dire je vais exposer le discours, le type de représentation qui est fait des Noirs de la région et comment cette représentation va influencer, va impacter cette migration massive des Haïtiens. Le deuxième moment, je vais montrer, analyser la visibilité, c'est-à-dire comment les Noirs en Amérique latine commencent à se faire voir. Il faut dire qu'ils s'appellent Afro. Ils refusent le terme de Noir, Negro est très négatif en espagnol. Quand on dit Negro, mais c'est négatif. Ils préfèrent la notion d'Afro. On parle d'Afro-Amérique. Et le troisième moment de ma présentation, je vais présenter les impacts que ces deux moments peuvent avoir sur la migration haïtienne. Arnold Antonin réalisé mercredi 10 octobre là dans l'hôtel Caribé, projection d'un film documentaire sur la vie grande audience haïtien Maurice Sixto. Film ça relaté ensemble travail pour tous les garçons ça a été fait dans temps l'étape vive avec impact à Zev Lio continue fait dans la société. Film n'a représenté une façon détaillée circonstance la mort intellectuelle ça 12 mai 1984. Un reportage à collaborateur nous Garo Saint-Ilus et puis Jean Fleury. Dans une salle remplie avec plus de patients, c'était le monde qui était pour une présence, une invitation qui était lancée pour participer dans la projection film documentaire ça. Un film qui parlait en détail sur plusieurs aspects de la vie de Maurice Sixto qui fête 23 mai 1919 et qui mourit 12 mai 1984. Avec ça, il est arrivé à joindre et puis témoignage l'autre monde, le réalisateur a montré l'importance du travail de l'audience dans la société. Ça représente pour moi un bagage extrêmement important parce que Maurice Sixto, son monde qui fait une œuvre extrêmement importante pour la société haïtienne, mais yo connaît œuvre, yo connaît tout personnage li créé, mais lui-même personnellement yo pas connaît li. Donc dans lui faire découvrir lui et en même temps tout grand pile monde qui comprend Maurice Sixto c'est uniquement pour Grindan, mais Maurice Sixto son monde qui gon œuvre importante du point de vue littéraire, du point de vue de l'analyse sociologique de la société haïtienne et on va y plein d'actualité tout. Parce que tout aspect problématique qui est dans le pays d'Haïti, vous l'avez dit, il traite déjà. Problème injustice sociale, problème préjugé, problème corruption, problème exploitation femme, problème environnement,
problème si domestique. Donc, on croit que nous trouvons tout ça dans Maurice Sixto, et avec un pile talent, avec un pile art. C'est peut-être ça, dans vie fait pour moi, et peut-être ça, pour moi, son bail qui est important. Evans Paul Soubopal, qui a eu la chance de rencontrer l'audience, a eu des détails sur le personnage là, qui a essayé de faire lumière sur divers problèmes dans la société. Ça fait me revivre un moment important dans la jeunesse. Moi. Non seulement moi, j'étais un grand admirateur de Maurice Sixto, mais Maurice Sixto était un accompagnateur de nos batailles nous avons menées à un moment déterminé, qui est une bataille de conscientisation et côté nous avons utilisé la création. Que ce soit ce travail Franck Etienne a fait à l'époque, ce soit François Latout a fait, ce soit ça Franck Fouché a fait, ce ça m'a fait tout dans le théâtre et particulièrement Maurice Sixto. Et m'te même arrivé jusqu'à Alouel, la Kaeli Philadelphie, faire une interview avec lui, sous contexte politique là qui était difficile. Et m'a pas besoin de dire nous, qui explication m'te obligé bail, dans Kazen de Salines, c'était le 16 octobre 1980, parce que m'te osé à faire interview avec un monde tant que Maurice Sixto. Or, Maurice Sixto pas gagné un langage violent. Mais elle était peine société d'une certaine manière qui fait régime qui était là. Il y a des fois qu'on reconnaît lui dans quelques personnages tête chargée. Maurice Sixto t'a projeté sous scène pays d'Haïti. N'a pas appelé 23 mai 2019 là, t'a fait Maurice Sixto 100 ans. C'est sur notre salle, mes téléspectateurs, nous mettons bout avec le journal pour jeudi. Mais avant nous aller, quittez nous rappeler aux principales informations qui étaient faites essentielles jeudi dans le journal. Bictionnaire, ce titre, nouveau album, BIC, ils ont dit fait à Paris pour publier dans fin année 2018. Album ça, qui a bien 14 morceaux de musique gravés sous lui, parmi eux, Potecode à Kokorat, qui est déjà en rotation sur les réseaux sociaux et les stations radio. Nouveau rendez-vous mercredi de la culture lente est déroulé dans l'image restaurant 10 octobre 2018 l'an côté été accueilli chercheur écrivain ak docteur Claudel Mezilas intellectuel ça était présent pour intervenir dans cadre yon conférence qui était faite en baptême la condition des noirs en Amérique et ses impacts sur la migration haïtienne. 13e édition Festival International Jazz là programmé sorti 19 pour arriver 26 janvier 2019 là sous initiative Pab Jazz Haïti. Selon responsable Pab Jazz Haïti, 40 groupes ak artistes qui évoluent dans le pays à Kounan Diaspora a participé parmi eux BIC, Paul Bobon, Felicia ak Acoustique. C'est tout ça avec plaisir en tant que qui était fait essentiel jeudi à dans journal là. Merci à vous même qui t'a suivre nous. Merci à l'équipe culturelle et production qui toujours permettent édition finale qu'ils seraient entre la CAIO du lundi au vendredi. Et bon, c'est Télévision Nationale d'Haïti pour la programmation. Pour ce rendez-vous, même heure, même chaîne, demain si Dieu veut. Bye bye tout le monde.